Hey, bonjour les amis, bienvenue dans Farming Simulator 19. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite carrière suivie sur ce jeu en mode partir de rien, c'est-à-dire le mode le plus difficile du jeu, je pense, qui est en fait on part de rien du tout. Il nous donne 500 000 euros et on se démerde avec ça. Il faut acheter le terrain et tout. Alors moi, j'ai déjà commencé à préparer. J'ai acheté le terrain. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Un petit tracteur. Et puis, je regarde ce que ça me fait. Bon, hop, on va voir vite fait. Bon, je vais pas vous montrer tout le jeu d'entrée. On le découvrira ensemble. Parce que de toute façon, ça va être une carrière suivie. Il y aura plusieurs épisodes. Hop. Allez. Donc, on a nos trois champs de base qu'on achète. On va se mettre devant tant qu'à faire. Toum, toum. Hop, on va aller à notre ferme. Donc la ferme en mode difficile, vous avez rien du tout. On n'a pas de bâtiment, on n'a rien. Donc j'ai acheté juste le terrain avec mes trois champs. Bon, l'avantage c'est que les champs ils sont prêts à moissonner. Donc du coup j'ai loué une moissonneuse parce que j'ai pas les moyens de l'acheter puisque j'ai pris quand même un tracteur un petit peu gros. J'ai pas voulu prendre le truc de base standard, c'était le Fiat. Bon, plus bon. Après, on va avoir quand même un petit peu de travaux à faire, donc on va amortir ce tracteur en faisant quelques missions, je pense aussi. Il y a pas mal de choses à faire. Bon, sinon, gros changement du jeu, il y a des animations. Les textures, comme vous pouvez voir, elles sont assez sympathiques. Le jeu est plus clair, je trouve, plus net. Donc c'est vrai que ce nouvel opus est pas mal. Vous avez l'animation des pédales. Hop. Moi, à la manette, ça marche pas tout le temps nickel, hein. Il y a des moments... On va le voir sur la moissonneuse, je pense. Accélérer frein, il savait pas trop faire. Mais bon. Hop, on arrive. Donc là, normalement, si vous jouez en mode facile, vous avez tous les bâtiments ennemis. Et en mode difficile, il n'y a rien, il faut tout acheter. Après, franchement, les bâtiments, c'est de la déco, ça sert pas à grand chose. Après, vous avez. Bah, ça sert pas à grand chose. Si. Vous avez le silo qui sert. Vous avez les bâtiments pour les vaches. Bah, pour les vaches ou les enclos, en fait. Merde, en mode difficile, faut que j'éteigne. Hop. Si on regarde vite fait. Donc, le magasin se présente sous cette forme-là. Vous avez les véhicules de base, tracteur léger, tracteur lourd. Vous pouvez rechercher par marque tous les outils. Donc, il y en a quand même une chier, hein. Il y a pas mal de trucs. Il est bien, bien complet. Le camion, tout. Bon, ça c'est standard. Les palettes, comme d'hab. Et les bâtiments. Donc vous pouvez acheter des enclos, vous pouvez acheter différents silos, différentes. Ouais, si des hangars, il y en a plusieurs. De la décoration. Ouais, d'accord. Pour votre ferme. Et votre ferme. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Quand des modeurs en auront fait d'autres, il y en aura plusieurs. Bon, après. La ferme, c'est plutôt gadget. La déco. Bah, je veux dire la déco de la ferme et la ferme en elle-même. Après, les silos et. Le truc pour les animaux, non, ça c'est pas gadget. J'ai loué ça parce que j'ai pas assez de sous. Donc désolé, c'est une bison la plus bas de gamme. Mais ça fera bien l'affaire. Bon, elle est assez bien faite, hein. Niveau texture, le métal est bien représenté quand même. Il y a du job. Bah, le jeu, on voit qu'il est quand même bien amélioré. Bien que pour autant, je trouve qu'il n'y ait pas de gros changements. Caché derrière le jeu, c'est-à-dire dans les fichiers et tout ça, ça ressemble beaucoup à l'autre. Bon. Allez, on va se mettre ça en route. Ah, il n'y a même pas besoin d'ouvrir sur celle-là, c'est parfait. Ça tourne, non? Ah oui, ça tourne. Par contre, putain, je sais pas si c'est que moi, mais ça en chie à partir à chaque fois. Alors, je sais pas la capacité de ce petit bison. Putain, puis il crache que dalle derrière. Waouh. C'est proche. Bon, on va se moissonner ce champ. Je sais pas si on aura le temps d'en faire un autre, on verra. Parce qu'il y a les trois, je pense qu'ils seront à faire. Ah, celle-là, elle a pas d'animation pour les pédales.
Bon, ça, j'y ai pas planté, hein. C'est les cultures de base qu'il y avait quand on a acheté le terrain. Donc, on les a gagnées. Monsieur, je sais plus comment il s'appelait, French Freshner, il s'est fait avoir parce qu'il n'a pas récolté avant de me le vendre. Bon, niveau texture de sol, comme ils ont dit, ils en ont rajouté pas mal. Il y a des endroits, c'est quand même un peu chargé, je trouve. Mais... Putain, il n'en veut pas. Hein. Un chute au recul. Je crois bien que ma manette elle est archi morte en fait. Non mais t'es con. Bon, j'ai mis la radio, à mon avis ça sert un peu à rien. Mais... Pas grave. Hop. Par contre, il y a du beau décor derrière. Non, il est sympa. Ouais. Oh, ça a touché les fleurs. Merde, je suis un peu tout. Bon, le niveau manette, c'est exactement pareil. Niveau commande. Ah ouais, ça couche les fleurs trop fort, vous avez vu? Regardez, si je passe dessus, ça va les coucher. Ça y était pas avant. Oh, je les ai écrasés trop fort. Ah ouais, non, ça c'est sympa. C'est con, mais c'est sympa. Allez, descend. Ah si, ils ont mis le gyrophare dessus. Ah, je crois qu'elle en avait pas sauvé. Je me suis dit... Simple. Bon, ça m'a quand même coûté 9000 euros pour louer ça. C'est pas donné. J'espère que ça va me rapporter un peu des ronds, parce que sinon... J'ai loué pour des clopinettes. Putain, je suis allé trop loin. Allez, on démarre. Oh, franchement, elle a chié à démarrer. Non, c'est pas la manette, c'est l'accéléré. Ouais, c'est bien le truc qui est bizarre, quoi. Je sais pas si chez vous ça fait pareil, mais moi ça démarre pas du premier. Même les phares, ils sont pas mal faits avec le petit fil qui passe dans le tube, comme en vrai. C'est sympa. Non, il y a de beaux détails quand même. Le mieux c'est sur les tracteurs, le Fiat, quand on voit tout le moteur, il est bien détaillé. Bah. Ah non, celui-là, il n'y a pas. La New Holland, la moissonneuse New Holland qu'on a au début pour tester comme à chaque fois dans les jeux, dans les farming. On voit même les filtres à huile, les filtres à gasoil et tout, c'est trop fort. Bon, de toute façon, on va se moissonner ça, on va aller s'y vendre. Ça va nous prendre déjà un bon moment. Mine de rien, ils sont pas très grands les champs, mais juste assez pour s'occuper. C'est pas très rapide, hein, désolé. Il y en a qui ont racheté des gros matos en cheatant la partie. Mais on n'est pas comme ça. Bien sûr que non. Les arbres aussi, il y a des trucs qui ont changé, il me semble. Pas beaucoup, beaucoup, mais il me semble qu'il y a des nouveaux trucs que j'ai vus tout à l'heure. Le plus, c'est l'herbe, quoi. Ah, je crois que j'en oublie un. Hein. Ouais. Ah non, je l'ai pas eu. Putain, les extincteurs, ils ont peur qu'elle crame, il n'y en a rien que deux. Il y en a une, il y en a. Ouais, il y en a un peu. Ah si, on voit le moteur. Oh putain, j'ai calé, je vais monter. Sérieux? J'arrive pas à avancer. Je
sais pas si c'est parce que c'est la montée. On a l'impression que les roues elles patinent donc. Hop. Ah, parce que si c'est à la montée, non, ça le faut. Ah, t'es con! Arrête-toi, connard! Qu'est-ce qu'il me fait, sérieux? Ah, ça couche les maïs quand on prend sur le côté. Ah ouais, ils ont rajouté ça en fait. Quand on touche les plantes, ça les pousse en fait. Il y a de la collision sur les plantes, c'est trop fort. Vous croyez que si je tape un arbre, il se couche? Bon, je vais essayer de pas m'arrêter parce que le redémarrage est assez fastidieux. On va le faire comme ça. Ça va aller plus vite en plus. Que de s'arrêter à chaque fois. Le tournesol est quand même bien fait, je trouve aussi. Hop. On va se mettre en face. On les voit descendre dedans. Il y a des oiseaux qui se posent dans le champ en plus quand vous le plantez là pour venir bouffer les graines, c'est sympa aussi. Bon, seul bémol, c'est qu'il passe à travers les véhicules. Mais bon. Vraiment, tout à l'heure j'en ai eu un, il est tombé dans mon tracteur pour aller bouffer la graine par terre. Super. Oh, le machin, il tourne tout seul, laisse tomber, je me suis fait trop avoir. Hop là. La moitié de capacité. Bon, ça va, c'est pas très productif quand même le tournesol. C'est pas ce qu'il y a de plus productif. On va éviter d'écraser les cultures aussi parce que j'ai mis que ça s'écrase. Dans les options, on est en mode pratiquement ultra réaliste, on va dire, je pense. Niveau détail, j'ai tout balancé à fond aussi, niveau carte, niveau graphique. Pour l'instant, il n'y a pas de lag. Juste un endroit dans la ville, mais bon, je sais pas si c'est dû à autre chose. Putain, il m'en chie à chaque fois, je sais pas pourquoi. Tu l'as pas eu. Putain, je crois que je l'ai pas eu en fait, ça l'a écrasé avec la roue. C'est marrant parce que quand ça les prend, ça les secoue. Trop fort. Hop. Putain. Allez, après on va aller faire un petit tour en ville pour voir où on y vend. Question de dire voir la ville. Ah, les oiseaux, regardez, ils se barrent, ils sont en train de manger dans le champ, vous avez vu? Trop fort. Putain, bon, je l'ai niqué, c'est pas grave. J'ai écrasé le tournesol. Pas de casse large. Allez, on a bientôt fini. Il faudrait que je leur mette un coup. Là. Ouais, parfait. La semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un petit live. Comme ça, ce sera un peu plus sympa. Là, ce soir, c'est trop tard, c'est minuit, donc on va faire un live à minuit.
Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo off. Il est sympa le fond aussi. Ouais. Un peu flouté. Ouais. C'est pas mal fait. Ah regardez, il y a le pieuf qui est en train de bouffer les graines. Hop, Paul. Oh, ce serait plus dans The Hunter, une carabine et boum. Sale tout corbeau. Putain, il y en a encore un. Mais c'est bien fait quand même, c'est sympa parce que ça fait des petites animations en plus. Quoi. Moi j'aime bien tout ce qui est ultra réaliste comme ça, c'est cool. Mine de rien, juste pour faire un pioche, ça double de la ressource. Quoi. Allez, go. Terminus. Donc. Lui, c'est bon. Petit truc, quand vous descendez dans le champ, c'est là que vous avez les infos pour le champ, vous voyez. Donc, procédé par ben, vous, c'est moi. Type de culture, il y avait du tournesol. Croissance, récolté. On a tout enlevé, sinon il marque à récolter. Fertiliser, ben, il reste 1% de fertilisant dedans, donc il faudra en mettre. De la mauvaise herbe, il n'y en a pas. Doit être labouré, a besoin de chaud. Donc on va le labourer après, hein. Il faudra y passer un coup de labour. Donc notre très belle bison qui ne m'appartient pas, je l'ai loué à un heureux propriétaire de cette superbe machine que je n'achèterai pas. Allez. Merde. Hop, notre petit tracteur vient de venir. Hop, et voilà. Bon, c'est exactement les mêmes touches hein, pour tout faire. Ça, il n'y a rien qui a changé. Franchement, dans le jeu, il n'y a pas grand chose qui a changé. Bon, je sais pas si je peux dire techniquement, c'est la même base de jeu. Quoi. Parmi les simulateurs 17 et 19, c'est vraiment très très ressemblant à son grand frère jumeau. Après, c'est tous les petits détails d'à côté, quoi. Les finitions, tout ça, c'est quand même beaucoup... Mince. Hop, ouais. Faut que j'aille la rendre là-bas, je suppose. Ou je peux la rendre à distance. Garage. Ouais, non, faut que j'aille le rendre. Objet doué. Ouais, non, c'est là. Ah non, je peux le rendre directement d'ici. Qu'est-ce que j'ai comme champ? Donc là c'est du coton, donc va falloir qu'on se loue la machine à coton, prêt pour la récolte, 100% fertilisé. Et là c'est du colza, donc il faudra... Bon, je la ramènerai après parce qu'en fait il me faut juste une lame. Si vous avez bien compris. Parce que du coup, la moissonneuse, elle peut moissonner le colza, c'est juste qu'il me faudra une autre lame. Allez, go. J'ai pas regardé où il fallait le vendre, ça. On n'a pas grand-chose, hein, 2256, avec ça, évidemment qu'on va pas aller bien loin. Oh, le saligo, il m'a pas mis de gyrophare sur mon tracteur. Putain, j'avais ici. Au plus que je l'ai payé, j'ai même pas les gyros. Oh, ça va me faire chier, ça. Alors... Sauvegarde automatique, ok. Bon, après, c'est exactement pareil. Voilà la map. On peut mieux choisir, peut-être. Donc, type de culture, c'est pareil. Composition du sol. Ça n'a absolument pas changé. Des champs, bon, sur celui-là, il n'y en a pas 3 tonnes. Il y en a 26. De plus ou moins grand. Quand vous l'achetez du terrain, vous cliquez là. Vous cliquez sur le terrain. Et ça achète toute la parcelle, en fait, des terrains. Par exemple, là, il y en a pour 847 000, mais bien sûr, 1 212 000, waouh, super. Par contre, gros défaut, c'est moi qui n'ai pas trouvé, peut-être. Il marque pas les hectares, on sait pas la grandeur qu'il fait. Très con. Ils ont enlevé la notion d'hectare, en fait. Avant, on y avait, maintenant, on n'y a plus. Silo possédé, donc j'en ai pas. Par contre, le silo... Je pourrais aller y mettre au chemin de fer dans un des silos, mais bon, moi ça m'intéresse pas, je vais le vendre direct parce qu'il me faut de la caillasse. C'était le colza, hein. Non, c'est du tournesol. Colza, c'est l'autre. 836 et il est en baisse, donc on va vite y aller au restaurant. Là, c'est le véhicule qu'on a. Donc il y a toujours la notion de mécanique.
le budget, les animaux, j'en ai pas, l'émission. Donc lui, contrat de transport, transporter les objets des cafés vers société logistique. Bon, enfin, peut-être une mission, c'est peut-être sympa. Bon, après, c'est la gestion des trucs, hein, écran, c'est exactement pareil, menu gestion, tout pour le temps et tout. Ça peut changer. Restaurant. C'est restaurant, j'ai dit? Ouais, c'est ici. Oh, c'est pas très loin. Hop. Bah oui, du colza au restaurant, très logique. Marque l'endroit. Nickel. On a le travers, allez go. Ouais, paf le corbeau. Putain, j'ai loupé. Hop. Allez, on va faire un petit tour en ville au restaurant. C'est à gauche, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, nous n'avons pas de gros camions, donc nous roulons avec notre petite John Deere. C'était quoi à droite, le biogaz, je crois que j'ai dit. Oh, il y a un garage. Bah, une casse, plutôt. Oh. Par contre, je trouve qu'ils ont fait vachement d'efforts sur le décor, quoi. Ah non, le décor, franchement, ils y sont allés à fond. On se croirait presque dans Far Cry. Donc. Bon, les musiques, toujours pareil. Bon, la montagne, ils ont pas trop fait chier aussi. Il n'y a pas d'arbres, rien, mais bon, c'est les États-Unis, hein, c'est peut-être pas non plus hyper boisé. Là, il y a un petit chantier de maison en cours, hein, c'est sympa, pour notre vidéo travaux publics, qui viendra bientôt. J'y travaille, j'y travaille. Ah, bah, il est là, le restaurant. Hop là. Putain, c'est chiant, ces arbres. Le restaurant, il prend du colza direct. Bon, on va pas chercher. Hop. Tournesol, bah ouais. Bon, c'est toujours le même truc pour décharger, à part qu'il bug en bas, vous voyez. Ça descend pas jusqu'en bas, mais bon, c'est pas grave. Alors, revenu 4792. Super, ça me paye même pas le remboursement pour la moissonneuse. Allez go, on va se ramener notre tagazou pour aller chercher notre lame. Parce que je peux pas la mettre là-dessus quoi. Que chier. Ah, j'aurais pu prendre une... Il faudrait une charrue aussi. Il fallait que je laboure le champ pour replanter. Bon, on va déjà tous... Tout se récolter pour être tranquille. Là, on va se prendre l'arbre dans la gueule. Hop là. C'est quoi ça? Ouais, c'est une maison abandonnée. Il y a une antenne GPS, antenne radio téléphonique. Bah, par contre, ce qui est con, c'est qu'ils ont mis des super poteaux électriques, mais ils ont pas mis les fils. C'est ballot quand même. Ils ont pas relié entre eux les poteaux téléphoniques. Bah, téléphonique, électrique. Puis le mec, il a mis des transfos à chaque truc. Hein. Vas-y. Hop, on va se garer là. Par contre, on se moissonne le coton aussi. Hop, on éteint parce que sinon ça consomme toujours. On va se ramener ça, on va aller se prendre la barre de coupe. Putain, moissonneuse toute pourrie, il y a un gyrophare, le John Deere, il n'y a pas de gyrophare, ça me fait halluciner ça. Je cherche les rares. Ah,
Ouais, s'acheter cette barre. J'aurais bien aimé qu'il fasse tourner aussi, mais bon, il n'y a peut-être pas de vente, mais bon. Je sais pas s'il y a la notion de vent, tempête, pluie et tout ça, comme. Bah, la pluie, oui, sûrement. Mais la notion de vent et tempête, comme dans Pure Farming. Ça, c'était sympa. Après, les arbres, ils bougeaient dans tous les sens, ça m'avait fait kiffer quand j'avais fait ça. Quand je suis tombé sur une tempête, c'était ultra réel, c'était bien. Bien qu'ils y aient pensé. Après, on m'a demandé s'il y a la déformation de terrain. Non, il n'y a pas la déformation de terrain comme dans un de leurs concurrents. Donc, quand vous labourez, bah, ça déforme pas le terrain. C'est pas pareil. Mais bon, est-ce que c'est le plus important, la déformation de terrain? Je pense pas. Les barres qui gueulent. Pas où, là. Normalement, il y a le personnage de la première personne aussi, mais je suis pas arrivé à le mettre. Je sais pas comment on fait. Il y aura une combinaison de touches pour passer à la première personne. Magasin tranquillouche, va pas bien vite notre machine. De toute façon, c'est limité à 35. Moi, je suis à 22 km/h. Je pourrais même mettre le régulateur. Bon, il y a le train sur les deux maps. Bon, par contre, il donne que deux maps dans le jeu, comme d'hab. De toute façon, il se foule pas trop en mettre plusieurs. Il pourrait au moins en foutre d'autres après gratuitement, mais bon, non. Il donne que deux maps. Dans les deux maps, vous avez un train à conduire. Avec pas mal de wagons quand même. Il y a au moins 6 wagons, je pense. Mais c'est pas mal, c'est sympa. On va le voir passer peut-être tout à l'heure, je sais pas. On va le voir ou pas. 5 heures. Putain, il y a comme une merde, lui, je vais le bousiller. T'es la moissonneuse dedans, là, tu vois. Il y a un putain de château d'eau, là, dis donc. Le mec, il a super. La station-service. Qui ressemble un peu à celle de l'FS17. Hein. Je vais passer par là. Hop, attention les yeux. Ah, les drapeaux, ils ont pas les marques. Ah ouais. Oh, c'est bizarre ça. On doit y rendre quelque part ou on s'en fout? Super. Retour de quoi? Ah non, retour pour moi. Heure d'exploitation 30 minutes. Voilà. Quand tu veux, t'as le droit d'avancer. Non, mais en fait, c'est mon stop qui part quoi. Allez, on reste là. Une barre de moissonnage, barre de coupe, ça doit être ça. ZO56. Ouais, c'est ça. Achète-moi ça. Bah, louer plutôt. Je vais faire une connerie.
Donc en moissonneuse, donc la Bison, la TX32, pour une fois ils ont changé, ils n'ont pas mis la même qu'à dans les autres opus. Bon, une Nova toujours, Massey Ferguson, John Deere, Caz. La Caz, on l'a en grosse version chenille. Et on l'a plus en petite. Bon, on a déjà de quoi s'amuser. Alors, ma barre de coupe est là-bas. On va chercher ça. Il nous a mis des tuyaux ou pas? Ah ouais, on va brancher les tuyaux dessus. Nickel. On les voit derrière les petits tuyaux noirs. On peut toujours bouger. Bon, ça va, il n'y a personne d'ici, donc on va rouler plein milieu de la route. Il n'y a pas le train qui arrive. Allez, on est reparti. On va se boire une petite mousse sur la terrasse du Ber. Les couleurs sont bien vives quand même, moi ça me plaît bien ça. J'aime pas les jeux qui sont ternes. J'ai pas vu de mousse que ça donnait. Oh putain. Tiens, sérieux, parce que putain comme il tourne. On est parti à 22 km/h et on n'est pas encore arrivé. Il est pas mal celui-là, champ aussi. Celui-là il me plaisait bien, je l'ai vu tout à l'heure. Et il y a celui-là qui est pas mal non plus. Bon, les champs sont très carrés quand même. On n'est pas sur les maps. C'est des champs qui prennent bien la forme du terrain. Là, ils sont pas fait chier. On trace un truc carré et bastouille. Bah, à chaque fois, j'ai un qui font ça. C'est toujours des maps carrées. Là-haut, je sais plus ce que c'est. Elle m'a mis pas. Marrant la mini-carte avec les petits sapins. Là, il y a un petit chemin, mais voilà, j'aurais peut-être pu le prendre, je serais arrivé en haut de mon champ. Moi, je suis pas sûr que je passais avec une moissonneuse. Hein. Peut-être. De toute façon, je suis presque. On va l'attaquer par là. C'est vrai que la ferme, elle est pas trop loin du magasin au début. Donc c'est pas mal parce que vu qu'on n'a rien du tout, on va pas se taper 3 milliards de parcours de cartes avec une moissonneuse en location. Enfin, ça ferait chier quoi. Ouais, c'est parti. Ça donne quoi derrière? Ça va nous cracher de la merde, ouais. On va tirer tous les piafres encore. Hop, hein. Protéines. Bon, le plus. Quel meilleur rendement, ça reste quand même le blé. Hein. Que je monte pas, je vais pas plus vite en fait.
qui est con, c'est que la hauteur du... de ça, en fait, ça change rien. La hauteur de la barre de coupe. C'est une animation, mais à part ça, ça me sert strictement à rien. Dommage, ça. Ouais, je serais arrivé par là, parce qu'il y a tous les petits chemins. Ça aurait peut-être été pas mal. Ah si, je monte à 22. Bon, on va pas se faire le coton, hein. Le coton je le ferai prochaine vidéo. On fera le coton et on plantera sur cela. Putain, mais alors pas, je fais un bâtiment. Ah, j'ai perdu Léon. Ah mais oui, parce que j'ai oublié la barre, je suis con. Ouais, donc à la sortie, putain, ça me coûte... ça me coûte quand même une blinde, cette location. Mais on n'a pas le choix. Putain, on voit même les dents qui coupent au bout de la barre. C'est fort, quoi. Hop. Cascade en face, ça laisse un peu. Alors le truc d'attelage, ils l'ont viré d'en bas, ils l'ont mis en haut à gauche de ce qu'on a attelé. Je peux changer de véhicule, barre de coupe. Avant c'était en bas, maintenant c'est tout en haut à gauche. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que on s'en fout un peu du machin en fait, mais ça nous sert pas non plus tout le temps, tout le temps. Et du coup, si j'affiche LED, ça va disparaître ce truc. Oh putain, si c'est bon. Ce métro, il faut pour couper. Voilà. Si je fais F1. Ah non, ça me le met à gauche. Ah, ah d'accord. Ça remet à droite. Oh, c'est marrant. Ça commence à réduire. Les États-Unis, alors c'est pour ça que j'ai pris un John Deere quand même. Puis bon, c'est une blague de nouveauté de Farming Simulator 19, donc on va pas reprendre. J'ai fait y reprendre un Fendt, j'ai dit oh merde, faut chier quand même. En roulant en Fendt tout le temps sur le 17. Faut chier de prendre un Fendt sur celui-là quoi. Hop. Ça va faire un truc de merde, mais bon, on corrigera au prochain coup. Aussi qu'il faut aller le vendre, ça j'ai pas regardé la cote du colza. Allez, on a bientôt fini les amis, on tient le bon bout, parfait. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît de voir ce petit Farming Simulator 19. Je vais vous le montrer en version joueur standard, comme ça au moins ça vous donnera bien une idée du truc. Pour ceux qui veulent l'acheter, ils aient de quoi se rendre compte avant.
Pour ceux que ça intéresse, je fais un petit coup de pub quand même pour mon partenaire, Game Planet. Vous avez le lien de leur site dans la description de la vidéo. Je sais pas s'il sera toujours en promo. Il avait été à un bon prix là pour sa sortie. Merci à tous ceux qui l'ont pris sur le site d'ailleurs, c'est sympa, et qui sont passés par mon lien. Au moins, je mets pas des liens promo pour rien. Hop. Allez, dernière ligne. Oh putain, non, pas de dernière ligne. On n'avait pas un bout forcément. Bon, on le fera en revenant. Là, ça fait presque une pleine moissonneuse. Donc. Putain, ça va pas le prendre en entier? Si. Écoute, ça le prenait pas en entier. J'ai laissé le son des machines exprès parce que je trouve que c'est bien aussi de voir le son quand même des machines. Quoi. Putain, il y a même la courroie qui tourne derrière le cache. Trop fort. Ah, je peux pas zoomer plus. Putain. Oh, elle tourne plus. Oh, la toile, elle est quand même bien faite, hein, regardez. Putain, on dirait vraiment que c'est de la toile. Mais les verres sont bien chromés. Moi, j'aime bien le chrome aussi, hein, partout. Allez, go. Bah notre ami le bison en a plus besoin. Hein. On va le rendre directement. Je vais le rendre par là par contre. Rendre. Ouais, hein, j'ai tout moissonné, ça fait pas le coton. Hein. C'est cool ça. Culture de pommes de terre, culture de canne à sucre, culture du coton. Putain, le coton, il faut ça comme machine. Pour le toto. Ça me faisait une blinde ça, oui. 38 800. Oh là là, putain, ça t'a pu. J'ai même pas assez pour le louer. Bon, virage, allez. Rendre. Il est où mon tracteur? Youhou. Là. Allez. Donc... Où c'est qu'on va s'en mettre tout ça? Colza. Non, plus il est en train de monter, mais bon, c'est pas mieux. Ulver à grain central. Allez, on va aller là. Hein. Tant qu'on arrive, ce sera pas monté. Ulver à grain central. Station de chaud. Silo fleuri. Ulver à grain portuaire. Ulver à grain central. Putain. Il est où le train? Non, le train il passe tout au bout. Ouais. Le train il fait la grande ligne. Putain, je vais passer par où ça? Là. Il faut que je fasse ce chemin. Hein. Alors, sauf si je longe le terrain. Hein. On va faire ça. Donc je sors, je prends le petit chemin là jusqu'au village. Allez. Putain, je suis sorti du jeu, les gars. Trophée de shop. Ah, c'est bon. Trop fort. J'adore rouler dans l'herbe. Ça couche l'herbe, c'est marrant. Ça y scratch pas, mais ça y pousse.
Allez. Ah, le mec il bouge dedans. Il penche quand on fait. Des fois, c'est excellent. J'ai mal de mer, arrête. Oh, ça me fait planer. Putain, ça me fait tellement planer que je vais me planter. Non, non, c'est ça. La petite route de montagne là, bon Dieu. Putain, tout ça pour le 2700 de colza, ça paye même pas le trajet. C'est quand même, colza ça paye bien. Là par contre, on prend vite de l'altitude là. Waouh! On va avoir une belle vue sur la ville, je pense, là en passant. Ouais, je vais passer par là. Allez, c'est pas chier. Oh, pas trop encore. Je pensais qu'on aurait une meilleure vue. Alors, donc là, ça continue. Je passe la voie ferrée. Putain, il arrive. C'est sympa le train. Aïe, pop, pop, pom. Donc là c'est le truc pour les vaches. Sur le même taureau, sérieux. Putain, il l'aura amorti celui-là. On va passer par là et on va couper à travers. Champ. Hop, celui-là est immense champ. Putain, ce machin. Enfin, par contre, il n'y a pas beaucoup de portée pour les textures. Hein. Ça apparaît quand on arrive. Même là-bas, après, c'est le fond du décor qu'on voit et le reste, on voit rien. Oh, il y a un moulin. Grande terre américaine. Bon, moi j'aime bien parce que c'est pas trop de l'Amérique aride, c'est quand même assez vert. Par contre, les champs ils pourraient venir jusqu'au bord, là. Je sais pas pourquoi ils vont faire de l'herbe. Où c'est que je vais? Moi je vais là, hein. Ouais. C'est ça. Ils ont mis des petits ponts de partout. Ah, mais il est en train de se casser la gueule, le pont. Normalement, ça paye bien le colza. C'est pas que dalle. 1446. Putain, je suis deg. En fait, ça paye bien, mais j'en ai pas beaucoup quoi. Ils passent sur le pont, les bagnoles? Excellent. Ah, ils passent dessus? Non? Ah non, ils sont passés à côté. Oh, attendez, on va aller voir le pont. Oh putain, il tourne. Là, on peut même descendre. On va se croire dans GTA bientôt. Oh, ça descend où, sérieux? Traverser la rivière. Putain, le pont il est détruit. Sérieux, c'est pas un pont. C'est des malades. C'est des malades. Ouais, je vais jamais arriver à remonter avec ma remorque. Ouais, j'ai envie de suivre le petit chemin pour y aller. Peut-être qu'il y a des pépites.
Ouais, super, je suis content. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Mais ça m'a bien fait rire. Vous croyez qu'elle tombe la remorque? Mais arrête tes conneries. Allez, go. Putain, il en chie le pauvre. Bon, donc. Oh, le mec il saute en plus devant. Ah, il a vachement animé le siège, disons. Bon, c'est le dernier truc qu'on avait sur FS17, mais bon. Quand même pas autant. Hein. Là, on voit bien qu'il est sur coussin. Coussin derrière le siège. Derrière. Trop fort, ça me fait planer. Allez, on se rentre nulle part. De toute façon, on n'a pas vraiment de chez nous pour l'instant. On va s'arrêter juste là. Hop. C'est quelle heure? 14h30? 14h25. On va passer par là, pas de façon. Voilà. Bon, ben, voilà, voilà, les amis. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour un premier épisode. Et puis, ben, à très bientôt pour la suite de ces nouvelles aventures sur Farming Simulator 19, version agricole pour l'instant. Allez, bye bye à tous!